Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, en ce début de semaine, Diamond Painting unboxing aujourd'hui. Alors, on va faire un unboxing aujourd'hui, donc avec une nouvelle boutique. Donc, nouvelle boutique pour ma chaîne. Donc, je n'ai encore jamais travaillé avec eux. Je veux dire, je n'ai jamais fait de partenariat encore avec eux. Donc, c'est pour ça que je dis nouvelle boutique. Alors, c'est la boutique New Omi. Voilà, j'espère que je prononce bien. Donc, c'est une boutique que j'ai découvert d'abord sur Facebook. Voilà. Et avec différents contacts. Bon, on s'est mis d'accord donc pour un partenariat. Et donc, ils m'ont proposé donc de choisir un kit. Et donc, et j'ai aussi pu choisir un autre article de leur boutique. Voilà, je vais vous faire découvrir. Donc, le kit, alors, d'abord, c'est le facteur qui me l'a livré. Il vient là, il y a 5 minutes, même pas. Donc, il a sonné, il a frappé. C'est pas mon facteur habituel. Et du coup, lui a frappé, frappé et sonné en même temps. Bon, là, je comprends, il n'aurait pas su le mettre dans la boîte aux lettres. Hein? Donc, il pouvait pas faire autrement. Jeter un œil, j'ai juste ouvert le sachet pour regarder tout de suite si ça allait bien dans le paquet. Donc, ça allait... J'ai un chat. Qui a une souris pour faire partir le chat? Voilà. J'ai juste zioté comme ça pour regarder si ça allait. Donc, je n'ai pas regardé en profondeur. Hein. On va voir ça ensemble. Et donc, je vais vous faire découvrir ça. Donc, je vais juste sortir les deux articles. Hop. Voilà. Ça, je vais le mettre par terre pour l'instant. Alors, le kit, je vais vous le montrer en dernier. J'ai choisi... Alors, vous allez dire, j'en ai déjà une. Oui, mais c'est pas la même. Voilà. J'enlève le plastique avant. Hop. Ça va à la poubelle. J'ai choisi une valisette. Voilà. Alors, oui, j'en ai déjà une. Je sais. Mais bon, vous savez que je fais plusieurs kits à la fois. Enfin, deux kits à la fois. Des fois, un troisième. Mais parce que le troisième, souvent, c'est un diamant... comment ? Un partiel, souvent, en diamants spéciaux. Donc, je n'appelle pas ça vraiment un DP, puisque là c'est juste une petite récréation que je fais entre deux. Et du coup j'ai choisi d'avoir une deuxième valisette, parce que bon, pour les grands kits c'est plus pratique du coup d'avoir une valisette que les petites boîtes avec les petits pots, les tout petits pots. Voilà, alors je vais vous la faire découvrir. Elle est super belle. Voilà. Là, d'abord, vu comme ça, elle m'a l'air nickel. J'aime bien vous narguer, mais j'aime bien vous narguer. Ah là là, je le sais. Allez, je vous montre ça. Là, voilà. Alors, avec un joli dessin. Donc là, c'est la tour de Pise dessus. Donc, elle est rose. Donc sur le lien, par contre, on ne voyait pas le dessin qu'il y a là, on ne le voit pas, donc ça c'est la surprise, mais bon, c'est une belle surprise, moi j'aime beaucoup ce style de dessin avec les petites roses, le petit papillon, justement, comme j'adore les papillons, et la tour de Pise, voilà. Alors, elle est en simili, hein. Oui, c'est simili ou cuir, mais je pense plutôt que c'est un simili cuir. Elle est,
ça fait des petites paillettes, alors avec des petits cœurs. Alors, je vais essayer de vous le mettre prêt pour voir. Je sais pas si ça va pas flouter. Voilà. Bon, il y a un petit texte dessus, mais c'est en anglais, donc bon, ça c'est pas très important. Donc, elle a un zip avec deux crochets, hein, je ne sais plus comment on appelle ça, mais bon, vous aurez compris. Un zip à double sens. Elle a sa petite poignée en métal. Je vais enlever le petit papier, comme ça on verra mieux. Voilà. À sa petite poignée en métal. Voilà, donc comme ça, vous pouvez la balader. Et on va l'ouvrir pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, c'est une mallette à 56 contenants, 56 bouteilles. Voilà. Alors, d'abord, ce qui est bien, c'est qu'on a les petits ronds, les petits stickers. Voilà. Mais moi, comme vous savez, je vous avais déjà montré, j'ai les petits stickers déjà imprimés. Donc, je vais mettre les miens. Ceux-là, je les garderai, hein, bien sûr. Alors, voilà. Alors, l'intérieur est on va dire, léopard. Je vais enlever, hein, pour vous montrer l'intérieur. Donc, vous avez des petites bouteilles dans le couvercle et des petites bouteilles ici, à l'intérieur. Mais elles ne font pas la même taille. Hein. Alors, je vais vous montrer. Hop, voilà. Ça, c'est la taille de celle du couvercle. Et ça, c'est la taille de celles qui sont de l'autre côté. Voilà. Mais bon, c'est pas gênant non plus. Rien ne me gêne, moi. Allez. Donc, je vais enlever pour vous montrer l'intérieur de la valisette. Donc voilà ce que ça fait. Donc là, on en a, alors, 4, 8, 16, 20, 24, 28, 28 et 28. Ça fait bien 56 bouteilles. Donc, je vais enlever ici pour vous montrer. Voilà, donc ça, ce sont les grandes. Hein. Et l'intérieur de la valisette est comme ceci. En léopard. Voilà, moi je trouve ça joli, c'est pas mal. À mon autre valisette, c'était c'est noir à l'intérieur. Si je me trompe pas, ouais, je crois que c'est noir. Voilà. Donc je la trouve très jolie. Alors niveau qualité, je vois aucun défaut. Voilà. C'est juste un petit bout de fil, ça. Voilà. Puis, hop, parti. Donc, les coutures, enfin, les encollages, tout ça, sont. Il n'y a aucun problème. Tout est bien collé. Tout est nickel. Alors, je vais bien remettre la mousse à l'intérieur. Voilà. J'ai ouvert un flacon. Voilà. Donc voilà ce que ça fait. Vous avez 56 petits flacons. C'est déjà pas mal, hein. On a déjà. C'est vrai que bon, on a des kits des fois qui peuvent faire ça, plus de 56, mais c'est plus rare. Donc là, on peut déjà faire de très beaux kits avec juste cette mallette. Donc, elle est très belle. Et donc, du coup, avec une fermeture que l'on fait des deux côtés. Voilà. Alors, là, le dessous, partout, vous voyez. Donc là, vous avez des petits renforts en métal pour, si vous voulez la poser, pour pas que ça s'abîme. Non, je l'aime beaucoup, même la couleur rose comme ça, je la trouve très très belle. Donc voilà, ça c'était le premier article donc, de la boutique New Omi. J'ai pas remis les petits autocollants dedans, mais c'est pas grave, puisque de toute façon,
Moi, je vais utiliser les miens qui sont déjà imprimés. Je vous remettrai d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous l'avais déjà mis, je vais vous remettre en barre d'infos les petits stickers que moi j'utilise déjà imprimés. Donc, c'est des paquets de 10 planches. Et chaque planche est imprimée du numéro 1 au numéro 100. Mais bon. Alors, le kit emballé dans sa petite enveloppe blanche, bullet. C'est énervé. Il est lourd en plus. Il doit y avoir pas mal de perles. Bon, c'est un grand kit. Je suis toujours avec mes grands kits. Moi. Voilà. Un tout petit peu chiffonné, mais ça, c'est pas grave. Un petit coup de fer à repasser et on n'y verra plus rien. Alors, attends, il est tellement grand que... Ah oui, il y a des perles. Hein. Oula. Alors, j'ai un double kit, d'abord. Alors, j'ai deux petits plateaux, deux petits... même trois. J'ai trois glues roses et deux stylets. Voilà, deux stylets roses. Voilà, donc ça, je l'ai en double. Et la glu, je l'ai en triple. Oula, il fait noir d'un coup. Ouh, vous me voyez encore? Je suis là. Il fait tout noir d'un coup. Pourtant, il est midi moins le quart. Hein. Le temps se couvre. Alors, c'est un kit en perles rondes. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben voilà, c'est tout. Non, c'est un grand kit. Il mesure 100 sur 55. Donc 1 mètre sur 55. Voilà. Donc j'ai les références qui sont marquées en bas et en haut. Donc de chaque côté. Donc pour les grands kits, c'est ça que j'aime bien parce que au moins on les a de chaque côté. C'est pratique. Et voilà donc les perles. Il y en a un bon paquet. Et j'ai 30 couleurs. Voilà. Donc vous voyez ce que je disais pour la valisette. J'ai aucun souci, ça va rentrer dedans. Donc pour la valisette, justement, moi je vais, comme il y a des grands pots et des petits pots, niveau numérotation, je vais commencer à numéroter les grands de peau. Je vais commencer par numéroter d'abord les grands, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Et je finirai par les petits. Voilà. Comme ça, ce sera mieux. Je préfère utiliser les grands en premier. Donc, si, comme j'ai dit, là, il y en a 28. Donc, j'aurai déjà au moins 28 pots, les 28 premiers pots qui seront les grands. Voilà. Et si j'ai besoin de plus de pots, j'utiliserai les petits. Voilà. Comme là, j'ai 30 couleurs. Donc, il y en a 28 qui vont aller dans les grands pots. Et il y en aura 2 qui iront dans les petits. Voilà. Donc, ce sera plus logique que de faire, de commencer par les petits pots, que de commencer, voilà, j'espère que hein, vous avez compris hein, ce que je voulais dire. Des fois, ma logique est un peu bizarre, je sais, mais bon. Je me comprends, hein. Donc, c'est pas... Alors, il y a de jolies couleurs. Alors, est-ce qu'il y a ma couleur préférée, le noir? Non, c'est pas ma préférée. Non, il n'y a pas le noir. Il n'y a pas le blanc. Donc, c'est super. Les deux couleurs que je n'aime pas ne sont pas dedans. Donc, youpi! Allez, je vous montre tout ça.
Bon, il y a un blanc, mais c'est pas le vrai blanc. C'est pas le 5200. Donc sur les je vais le vous montrer après. Sur la légende, comme d'habitude, j'ai les numéros 1, 2, 3, 4, 5, hein, jusqu'au 30. J'ai le symbole et j'ai les références couleurs DMC. Voilà. J'ai pas de feuille de route, mais je m'en fous. Voilà. Je m'en fiche. Je m'en fous, moi, la feuille de route. Allez, bon, je commence. Là, c'est quoi? C'est le numéro 10, mais bon, c'est rien. Alors, du blanc. Un genre de vieux rose. Un rose. Un bleu. Alors, là, ça doit être les deux mêmes. Et c'est les deux mêmes. Un autre bleu. Là. Non, c'est pas les deux mêmes. Ah oui, non. Un bleu foncé, un rose clair, là c'est le même, encore le même, un rose un peu plus foncé, là c'est le même, deux roses un peu plus claires, alors ça c'est un bleu marine, alors j'en ai deux, voilà. Là, 19, 19. Donc, j'ai deux paquets de vert kaki. Et là, un vert plus soutenu. Ensuite, vert comme ceci. Alors, c'est 16 et 17. Voilà. Là, celui-là, je l'ai en double. Un bordeaux, oui. 14, 14. Celui-là, je l'ai en double. Un beige. Un bleu. Ciel. Encore un autre genre de bleu marine. Un autre bleu ciel. Un orange. Un vert cacadois. Moi, j'appelle ça vert cacadois. Un rouge rose. Un petit vert bleu, donc là j'en ai deux paquets, c'est ça, 5-5, oui. Une autre sorte de bleu, un rouge, un autre genre vert cacadois, et le dernier, alors c'est le même, non, un autre vert. Voilà! C'est des jolies couleurs, j'aime bien. Alors niveau perles, on n'a pas regardé. Je vois pas de poussière, je ne vois pas pour l'instant de perles cassées. Comme d'habitude je dis, hein, les perles rondes, c'est rare qu'il y a des déchets. Il peut y avoir plus de déchets dans les perles carrées que dans les rondes. Mais là, j'en vois pas. Non. Donc ça va. Je vais mettre les perles sur le côté, je les rangerai plus tard. Parce que après, ça fait du bruit. Voilà. Et puis je suis sûre que ce que vous voulez, d'abord, c'est de voir le dessin du kit. Alors il est joli. Voilà. Il est beau. C'est moi qui l'ai choisi. Oui. C'est moi qui l'ai choisi. C'est un petit peu. Bon, j'ai. On va dire que j'ai pas encore choisi un peu ce genre-là. Mais c'est un petit genre romantique. Voilà. J'avais un petit cœur romantique ce jour-là quand je l'ai choisi. Celui-là, ben, je pense qu'il ira dans ma chambre quand il sera fait. Voilà. Pourquoi pas au-dessus de notre lit? Non, pas au tulili, parce que j'ai eu trop de cadres qui sont tombés. Et j'ai pas envie qu'ils nous tombent sur la tête. En pleine nuit, je plume un tableau sur la tête. Allez, j'arrête de dire des bêtises, je vous le montre. Alors, d'abord, je regarde
derrière pour voir si je vois des bêtises sur la toile derrière. Non. À part que c'est un tout petit peu chiffonné, mais ça, c'est normal. Comme je dis d'habitude, c'est au niveau de l'emballage, hein, du roulage. Ça, on ne peut rien y faire. Vous voyez, c'est un tout petit peu, voilà, un tout petit peu chiffonné, mais bon. Un bon coup de repassage avec ma serviette éponge et on n'y verra plus rien. De toute façon, moi, je le fais automatiquement sur chacun de mes kits. Comme ça, au moins, déjà, ça ne roule plus. Là, j'ai la protection transparente. Bon, c'est pas ma protection préférée, mais... je sais qu'à chaque fois je dis je vais mettre faire ma protection moi-même avec le papier sulfurisé. J'y pense pas. Il va falloir que j'y pense, mais bon. Mais bon, il faut que je fasse essai parce que moi j'achète souvent du papier sulfurisé premier prix et j'ai peur que celui-là reste collé sur la toile. Donc il faut d'abord que je fais des petits essais voir si celui-là va. Mon papier sulfurisé va bien. Sinon, il faudra que j'achète un papier sulfurisé à la gamme un peu au-dessus pour pas avoir non plus des surprises, que je me colle ça sur la toile et puis qu'après, je ne sais plus l'enlever. Voilà. Donc, je vais faire un essai sur un petit bout, sur une prochaine toile. Et je vous montrerai en même temps. Parce que c'est vrai que le papier transparent, ça fait un bruit d'enfer. Alors, quand vous êtes en train de faire votre kit, vous entendez le... pendant 2 heures, 3 heures, là, vous êtes, parce que vous touchez votre kit. Et c'est chiant. Vous voyez, rien que ça, là. Vous voyez, entendre ce bruit-là pendant 3 heures. C'est une galère. J'en peux plus. Donc, je vais voir si mon papier sulfurisé convient bien sur les kits. Mais par petits bouts d'abord. Allez, j'arrête de blablater et je vous montre ça. Alors, il est grand. Ouais, c'est bon. Je mets ma tête derrière parce que sinon, j'espère que vous le voyez en entier. Donc, voilà, des jolis signes avec des jolies fleurs. Vous voyez? Oui. Coucou, je suis là. Donc, des jolis signes. Ils font un joli cœur avec leur cou, là au milieu. Donc, il y a des nénuphars. Ouais. Un joli ciel rose. Alors, vous voyez, il est grand. Hein. Mais j'aimais beaucoup ce modèle. Si ça change. Voilà. Hop. Alors, bien sûr, je vais vous remettre le lien pour découvrir ce kit dans la boutique New Omi. C'est ça? Oui, New Omi. Vous puissiez le retrouver directement sur leur boutique. Alors, niveau impression, que je vous montre ça. Alors, c'est nickel. On voit très, très bien. Voilà. Alors, ça brille un peu, hein. Désolé. Niveau colle. Ça colle. Voilà. Donc, il y a juste que... Bon. Ce petit papier transparent, je vous dis, je vais faire des essais moi avec mon papier sulfu et pour changer, pas tout de suite, hein, mais je le ferai quand je ferai un essai sur un kit, mais quand je 1, 2, 3, quand je commencerai à faire ce kit ou un autre, si ça, mon sulfu à moi fonctionne bien, je mettrai du sulfu dessus au lieu de ce papier transparent. Alors, j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, si vous laissez ce papier transparent, faites bien attention.
Non, non, si vous avez la manie de l'enlever complètement, on ne sait jamais. Bon, sur les grands kits, ça m'étonnerait que vous l'enlevez complètement. Mais avant de démarrer, coller dessus. Ben là, regardez, je vais prendre une petite vignette que j'ai là. Hop. Coller dessus, là, tout de suite. Voilà. Hop, on va le faire. Coller dessus tout de suite, voilà, j'ai mis une vignette, voyez, et comme ça vous savez que là où il y a la vignette c'est le dessus du papier, voilà, parce que alors ça se voit pas à l'œil nu, on s'en rend pas compte, mais si vous enlevez le papier et puis que quand vous allez le recoller, par exemple vous l'avez enlevé complètement, j'ai déjà répété dans plusieurs vidéos, mais que vous l'avez enlevé complètement, et puis bon, vous arrêtez votre kit, parce que c'est ce jour-là, vous arrêtez, et vous voulez remettre le papier, mais vous ne le remettez pas dans le bon sens, du coup, vous vous trompez, au lieu de le remettre de ce côté-là, vous le mettez de ce côté-là, sur la colle, vous allez avoir un mal de chien le lendemain pour le retirer, et vous risquez d'abîmer votre kit. Donc, vous voyez, là, j'ai collé tout de suite ma vignette. Et je sais que là où il y a la vignette, c'est l'extérieur du papier. Voilà. C'est un petit truc comme ça. Moi, je répète régulièrement. Mais c'est pour pas que vous soyez embêtés pour ce genre de kit, avec ce genre de protection. Voilà. Pensez à mettre une petite vignette tout de suite, un post-it, une étiquette, ce que vous avez sous la main, mais quelque chose qui colle dessus. Et là, vous savez que là où il y a la vignette, ben, c'est l'extérieur du papier transparent. Parce que si vous, je vous dis, si vous, j'ai eu le tour une fois, et c'est pour ça que maintenant je fais comme ça. Si vous vous trompez de côté, ben le papier, il se colle, oui. Mais le lendemain, après, pour l'enlever, c'est une galère, mais alors pas possible. Je ne sais pas pourquoi. Parce que quand on regarde le papier comme ça, dans les deux sens, on ne voit pas de différence. Hein, mais y a un côté qui s'accroche. Voilà. Il fait ventouse sur votre kit. Et vous avez pu l'enlever. Enfin, vous savez l'enlever, mais alors il faut y aller très fort. Et vous risquez d'abîmer votre kit. Voilà. Donc, c'était mon petit truc du jour que j'ai déjà répété plusieurs fois. Mais je préfère répéter plusieurs fois. Et que vous ne soyez pas embêtés. Voilà. Donc, voilà. Alors, c'était ma petite unboxing du jour. Donc, avec la boutique New Omi. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, je vous rappelle, hein, je vous mets tous les liens, enfin tous les liens, il y aura le lien de la boutique et les liens des deux articles que je vous ai présentés aujourd'hui, donc je vous les mets en barre d'infos, voilà, comme d'habitude, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Et puis nous, ben maintenant, on va se retrouver très rapidement pour... donc, je ne sais pas quand est-ce que je vais le commencer, hein, bien sûr, parce que bon, ben, j'ai de la réserve. Je vais voir. Pour l'instant, j'en ai deux à finir. D'ailleurs, aujourd'hui, je pense que je vais terminer La Femme et le Tigre. Voilà. Normalement, aujourd'hui, je devrais terminer ce kit. Qui commence à me sortir par les yeux, par les oreilles, par le nez, par la bouche, me sort de partout, voilà, j'en ai marre, très agréable à faire, mais là, bon, au bout d'un moment, quand ça dure trop longtemps, j'en ai marre, du coup, je ne sais plus pourquoi je disais ça, je me suis coupée la chic toute seule, tant pis, je ne sais plus. Donc voilà, allez, on va se retrouver très bientôt donc pour une nouvelle vidéo, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude, et j'attends tous vos commentaires auxquels je vais répondre avec grand plaisir comme d'habitude également, et je vous fais plein de gros bisous et encore un grand merci à la boutique New Omi pour ces petits envois.
Et je vous fais plein bisous. Allez, à bientôt. Bisous, bisous.